Côte d'Azur présent à ce 66e Festival du film de Cannes, avec une force présente française et donc un plateau assez extraordinaire en film français qui représente bien la créativité française. En fait, nous allons vous montrer un petit peu les coulisses de ce festival, comme il n'a jamais été vu, avec un réalisateur, un projectionniste, aussi des monteurs, et puis quelques moments privilégiés et choisis dans notre festival. Bienvenue au Festival de Cannes, 66e du nom. Merci. Je m'appelle Kevin Delanne, voilà, je suis un ancien étudiant en Côte d'Azur, j'ai fini il y a 2 ans, maintenant je suis freelance. Et là j'ai présenté cette année un court métrage au Short Film Corner qui a été accepté, donc je suis très content. Voilà. C'est très intéressant parce qu'on y rencontre énormément de monde. Ce qu'on peut retenir, le truc le plus visuel du Short Film Corner, je crois que c'est le nombre d'affiches collées sur le mur qui empiètent sur les autres. Ce qui prouve que c'est un marché assez vivant, c'est peut-être même le marché le plus vivant qu'il y a. Qui est à Cannes, mais pour moi le point négatif c'est que malgré le nombre de contacts qu'on se fait, peu de gens après restent vraiment en contact. Je suis comédienne et je suis venue ici pour présenter un film. J'ai fait 10 ans de théâtre cette année et l'année dernière j'ai commencé à faire des courts-métrages, j'en ai fait 6-7 et voilà, j'ai la chance d'en avoir un ici. On rencontre pas mal de monde, on peut aussi voir les tendances qu'il y a un peu sur les courts-métrages, ce que les autres ont fait, quelles sont les idées, etc. Et on rencontre pas mal de monde aussi, il suffit juste de se balader dans le palais, il y a plein de gens, votre voisin en général commence à vous parler de la dernière projection et c'est bien sympathique, voilà.